Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. J'ai pas cliqué. Non, effectivement, il y avait eu un petit problème, donc j'ai vérifié ce que j'ai fait à la fin de dernier épisode. En fait, en regardant, ça s'est mis à freeze, enfin, le jeu a un petit peu freeze pendant un instant. Donc ma souris était considérée là. Malgré qu'elle soit là, et j'ai cliqué quand ma souris était là, mais vu qu'elle était considérée là, ça a cliqué et ça a fait la bataille. Donc je vais maintenir le blocus, comme il était initialement prévu. Après, ça me sort pas forcément de toute mouise, sachant que là, il y a une armée entière. Bon, même si elles sont pas très très fortes, ça peut quand même poser problème. Donc voilà, je me suis permis de Alt F4, ça n'a pas compté. C'est le seul glitch que je connais, que je peux faire par rapport au jeu. Et dans ce genre de cas, je pense que vous accepterez l'utilisation de ce genre de glitch. Merci de votre compréhension. Et sinon, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir. Bon. Alors, rendre un service. Je peux donner de l'autorité à quelqu'un. On va donner de l'autorité. Hein. Très bien, voilà. Lui qui est plus rusé qu'autoritaire. Ah mais non, on peut en rendre beaucoup des services. Hein. Ah, je t'ai rendu trois services, mon ami. Ah ouais, calme. Traité de paix. Non. Fallait y réfléchir avant, va-t-il attaquer? Non. Non, 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 non. Mais il ne peut pas. Enfin, il peut, il aurait pu, honnêtement. D'ailleurs, je vais lui donner une occasion. Rébellion imminente en Carthaginensis. M'en fous. Voilà. Je vais aller là et je vais lui donner l'occasion de m'attaquer. Je vais me mettre en fortification. Bien évidemment, faut pas déconner. Ah oui, j'étais sur les technos. Hop. J'étais sur les premières technos. Silo à céréales, plus de revenus, moins de coûts de construction. Falcata, savant idiot. Qui donne 10% de d'accords commerciaux. Je vois pas en quoi il est idiot le savant. Je pense que l'idiot, c'est celui qui ne cherche pas à comprendre. Que tu ne comprennes pas n'est pas un problème, que tu ne cherches pas à comprendre en est un. On s'entend pas trop mal avec les parties, pour une fois. Je crois qu'on leur a un peu trop tapé dessus et ils se sont dit, c'est pas la bonne idée de les énerver ceux-là. Ouais. On va augmenter les revenus dus à l'agriculture. Et là, on a un petit souci au niveau de Ibosim. Ils vont partir en rébellion. Je sais pas ce que je vais faire ici. Et si j'en faisais du minier? Non, c'est pas une région appropriée au minier. Allez hop, on va partir sur du classique minerve. Hop, oh! Oh, j'aime beaucoup. Je vais partir de ce blocus, il m'intéresse vraiment pas. Ouais, ce genre de petit freeze. Et je vais aller à Ibosim. Voilà, ça va me faire remonter un petit peu l'ordre public. C'est pile ce qu'il me fallait. Là, je vais aller à Midgol. Voilà, ça me prendra le temps que ça prendra. Mais j'ai des troupes à reconstituer. Combien de tours? 3. Ouais, j'aurai la majorité qui aurait été reconstituée. Ouais, on va voir d'ailleurs. Oui, ok, mon vétéran est là. Allez, Carthage. Oh, je t'ai donné une bonne occasion, Carthage. Attends, il a foutu quoi de ses troupes? Il s'est fait pourrir par le l'Arverne? Oh, c'est possible ça. Oh, c'est possible qu'il soit fait pourrir par l'Arverne. Voyons voir. Il y a un général en mer. Hein? Et il y a un général ici. Nous avons faim de bataille. Commandant,
avons faim de bataille. Je pourrais faire un siège, mais ça me coûterait. Il y a quand même pas mal d'unités et je pense que l'Arverne n'y peut pas faire de siège non plus comme ça. Non, bah je vais tranquillement me diriger vers le dernier village que possède Carthage. J'ai plus le nom du village. Amidgol, ouais, voilà. Hop, je vais faire une embuscade. On va voir, il n'y a pas des niveaux à monter. Pas de niveau à faire gagner. Rendre à service. Eh ben, rendons-nous des services les uns les autres. C'est très bien. Lui, du coup, il peut rendre des services. Ma vache, il m'aura rendu aussi un paquet de services, lui. Bon, c'est bien, ça augmente l'autorité, etc. Bon. Pour les femmes, c'est pas. Moins 25? Hein? Ça diminue ou quoi? C'est quoi le délire? Trop d'autorité diminue. Ah, ok. Ah, on va sur du négatif, quoi. Ah, bah, dis, on aura tout vu. Bon, ça sert à rien de donner de l'autorité, apparemment, aux dames. Donc, ils pensaient que ça servirait à quelque chose. Bah, à part pouvoir faire en sorte qu'elle donne elle-même de le. Mais putain, il est allé plus loin que prévu, lui. À part faire en sorte qu'elle donne elle-même de l'autorité, ça me sert à rien. Les Arvaques qui ont dû se faire repousser à Kartuba. Ah bah yes. Je venais de reconstruire la ville. J'ai pas un espion là, quoi, ici. Ils meurent pas de faim. Ouais, ils vont pas tarder. Hein. Très obtenu. Populace mécontente. Ouais, bah tu m'étonnes. Ils se sont pris un sale incendie là. Suivons ce petit chemin. Encore pour quelques temps en route. Hein. Deux tours de route, de trajet. Très bien. Je vais économiser là parce que au tour prochain. Voyons voir c'est quoi ça. Ah, si, hein. Oui. Le tour prochain. Je vais avoir la nouvelle techno qui va me débloquer des productions. Ah, le con. Ouais, je disais donc qu'il va me débloquer les productions agraires. Bon, mode équilibré, je veux pas trop de pertes. J'ai l'air lâché vu que j'ai besoin d'or. C'est peut-être le moment. Le moment est peut-être venu là. D'aller sur carte d'acheter. On va voir. Je sais pas combien ils sont à l'intérieur, mais à mon avis, moins. Alors, irrigation améliorée, ouais, c'est ça dont je parlais. Voyons voir combien ils sont. 13. Oh, j'ai failli faire une connerie. Hop là, donc on va continuer le siège. Là j'ai vu qu'il y a des troupes en mer. Ouais, c'est parfait. Je vais aller choper ces troupes en mer, intercepter les troupes en mer. On va faire une petite bataille de nuit parce que c'est stylé quand même. Je vais mener la bataille sur le champ. Bon, vous la connaissez, celle-là devrait être gagnée. Peut-être pas, il y a deux balistes. Tiens, je vais voir comment ça se passe au niveau des balistes. Est-ce qu'ils ont les balistes de sortie ou est-ce qu'ils... Ils ont pas de sortie, enfin est-ce qu'elles sont déployées ou pas en gros?
Oula. Ouf. Putain, l'anglais. Alors, l'anglais, là. Le matin, c'est vraiment pas une bonne idée. Déjà que le français, j'ai du mal, alors l'anglais. Oh, putain. So, it is a good question, hein. Navire d'artillerie paré. Ouais, j'aime bien ton phrase anglais comme ça. Hein. Navire d'artillerie Alors, je dis paré. bien anglais. Je parle anglais, je ne parle pas américain. Je n'ai pas l'accent. Tu me diras, j'ai l'accent d'aucun des deux. Mais bon. J'avoue que je ferais bien de fermer ma gueule des fois, Lorsqu'on n'est plus moi. là. Les balistes, où est-ce qu'elles sont? J'arrive pas à voir, c'est trop petit. Normalement, ça doit être des navires où il n'y a pas grand monde dessus. Sur lesquels il n'y a pas grand monde dessus. Ah, ici. Je vois rien. Allez, sinon, faut faire feu, les mecs. Hein. Vous êtes pas. Ah, bon, d'accord, ils sont pas à portée. Ok, d'accord. Alors, c'est la nuit, ça, par contre? J'y vois comme en plein jour. Ouais. Et c'est une sacrée pleine lune. Hein. Ah ouais. Ah ouais, j'ai rien dit, ouais. En effet, c'est la pleine lune. Bon, allez, on va la mettre en accéléré. Voilà, ce sera tranquille le matin. Doucement le matin, pas trop vite le soir. Ça devrait être gagné tranquille ou bilou, quoi. Hoplite, javelot. Ah, il y a eux là dont il faudrait se débarrasser avant qu'ils fassent. La vache, et il a tenu là, lui. On va les aider. Artillerie à votre commandement. Remerciez les dieux, mais vous avez fait. Oh là là. Ce tir chirurgical. Oh, ces deux tirs chirurgicaux. Magnifique. Allez, bon là, ça va être plus compliqué, mais... Parce que là, au moins, j'en loupais un, j'en avais un autre à côté, quoi. Que là, ouais, on va essayer là-bas. On va s'essayer là-bas. Ça risque d'être bien compliqué. Dans l'eau. Couler. Enfin, raté. Oh, dommage. Ah bah, ce sont les balistes. Et puis là, pour le reste, je suis encore un peu trop loin. On va les laisser s'avancer. Ah d'accord, j'en ai deux et demi qui font feu. Ouais. Effectivement, là, on va pas avancer à grand chose comme ça. Allez, hop, ça, on coule. Tu es trop proche pour moi. Alors, tu es trop proche, mais bon, bah, on est tellement mauvais au tir. Oh putain. Faudrait faire un effort, les mecs. Yes. Entre les deux. Parfait. Ah, ouais, toujours pas. Non, mais on va y arriver. Hein. Voilà. Allez, on enchaîne deux. Ouais, les deux d'un coup, là. Là, bien, voilà. Continue comme ça. Continue sur ta lancée, mon ami. Ouais, on va dire, ça passe. On va dire que t'as pas eu de chance. Allez. Bon, là, on va dire que tu le fais exprès. Je crois que ça va pas toucher le navire. Ouais, ça avait touché que trois pauvres péons qui étaient là. Ils ont vraiment pas eu de chance. Hop, allez. Tac. Allez, feu à volonté les mecs. Hein. Je peux pas vous le dire en quelle langue. Je connais pas le latin pour feu à volonté. Hein. C'était pas passé loin, hein, dommage. Voilà. Oh mince, je l'ai pas vu lui. Oh bah lui. Par contre, cessez le feu à volonté maintenant. D'accord, donc j'ai cessé le feu à volonté et là ils attaquent tous. Oh là là. Terrible. J'ai pas de pertes et il a pris que des pertes. C'est impeccable. Peu importe. Les hommes, peu importe leur rang.
devrait craindre les humbles. Craindre les humbles. Une personne humble aura moins tendance à montrer ses atouts, je suppose. Il doit y avoir une réflexion derrière. Faction détruite. Oh mince, attendez, j'ai pas vu qui. Bon, déjà ça. Ouais, quelques rangs améliorés, j'aime bien. Allez, relâcher pour les sous. Mon dictateur est rang 7 déjà. Il a fait tant de batailles navales que ça, lui. Vendu. Très bien. Très bien, hein. Moins de pertes d'usure, ça c'est très bien aussi. Je voulais voir, c'est qui? Darcy, ah oui. Oh. Spartardae, ouais, mon classique. Quoi qu'ils y sont encore, là. Ok, les frères de Baal. Et pas les frères de Baal. On va faire une attaque en mode protection. J'ai pas eu de perte, très bien. Et on occupe Carthadasht. Voyons voir. Comment... Non, c'est pas ça. Comment qu'on s'entend avec les Arvernes? Oh, les Arvernes, ils s'entendent mal, ils s'entendent bien avec personne. C'est terrible, ça. Mais on va leur voler de la bouffe, quand même. Juste par principe. Oh, j'ai 23 000 d'at... Bon, je vais pouvoir améliorer pas mal de bâtiments avec 23 000. Je sais pas si je pourrais tout faire. Ah d'accord, si, c'était les silos et les fermes au classique. Ok. On va voir, est-ce que sur Carthadasht ça suffira? On va faire un embarcadère. Ça me servira. Ça je vais le détruire, mais pour le reconstruire, enfin... Ah ouais, je peux faire un atelier! Et là, bibliothèque, très bien. C'est vrai que je peux faire un atelier. Alors, je pense à en faire un à Rome. Mais avant, j'ai la basilique de Jupiter à faire. Coucou Hibou. On y sera le prochain tour. Très très bien. Très bien. Et... Oh, amélioration de... Ok. Et à voir si je recrute ou non une nouvelle légion. Ah! Oh! Ça m'intéresse ça. Non, ça m'intéresse moins. Ça m'intéresse moins. Ça m'intéresse moins. Ok. Voyons voir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui propose des choses intéressantes? Non. Ouais, le taux de recherche est intéressant à prendre, mais... Alors. Et le dernier, le vétéran, je voudrais que ça soit un aventurier. Non. On va prendre lui et on va l'envoyer en tant qu'aventurier. Alors que je pense à le jouer. Alors Carthage. Tu es sur le déclin, cher ami. Ou cher ennemi, au choix. Les Arvernes. Vous n'avez pas totalement compris ce qu'il faut faire là. Vous êtes en train de vous taper avec tout le peuple ibérique et tu viens foutre tes armées à côté de chez moi là. T'as pas l'impression de déconner là. Un autre triomphe, très bien. Parce que j'ai même pas buté encore les. Enfin, je n'ai même pas gagné contre les Carthaginois, excusez-moi. D'ordre public sur la province locale, écoute, ça me va. Aqueduc et. Entraînement. Direction Midgol, il aura peut-être eu le temps de recruter un minimum. Ah d'accord, il avait un bon amiral. Mais bon, ça reste une flotte, résolution en mode
agressive, ça va lui couler ou pas, sa flotte. Ça va pas lui couler sa flotte, mais je lui en aurais fait pas mal de dégâts. On prend Midgol. Il aura perdu la moitié de ses troupes quand même. Oh. Bon, je suis obligé de la détruire parce que c'est trop haut niveau. Ici, on va faire ça. Là, on va pas. Là, pourquoi pas un plus assérial. Et là, ce sera du bonheur. De l'ordre public, pardon, excusez-moi. Pas du bonheur. Ici, on va partir sur le Panthéon, basilique de Jupiter, temple de Jupiter et hôtel de Jupiter. Et là, j'ai de l'argent en trop, donc on va le dépenser. Bien intéressant. Ok, j'ai rien de bien intéressant. Oh, ben. Oh la vache, ouais, ils ont des bonnes stats quand même. Oh mon salaud. C'est ça de jouer des. Jouer avec pas mal de tours par année. C'est que ça rend les stats vraiment intéressantes pour le coup. Hop, on améliore. Ici, esclavagiste. Très bien. Si je veux bien lever une autre armée. Alors en fait, oui et non. Je vais enlever une. Comment il s'appelle lui? Lucius Julius Libo. Lucius Julius Libo de la dynastie des Julia. Hop, tu vas lever une troupe vite fait. J'ai juste besoin que tu me rapportes. S'il te plaît, pas t'améliorer, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, c'est vrai que j'ai de la bonne cavalerie là. J'en ai deux là-bas. Ouais, ça devrait être bien. Quatre cavaleries pour améliorer les Soki Equites Extraordinari. Ici, mes Equites. Soki, Equites. Extraordi, j'ai plus de thunes. Toi, mon vétéran, tu vas aller là-bas. Et toi, tu es très bien ici, mon ami. Voilà, et lui, je l'emmènerai ravitailler. Mes troupes en Afrique et en Ibérie. Bah alors Carthage, t'as pas voulu jouer? Oh la bonne blague. Oui c'est ça ouais. Donc hier ramène-moi une boîte de harangues. Encore en triomphe. Eh bé. Avec le nombre de triomphes à Rome. Ils ont l'ordre public, il est. On va passer par là, ce sera plus court. Toi, tu veux pas te barrer, genre. Ah oui, et là, avec lui, je vais aller recruter quelques navires. Bah voilà, envoyer tes troupes à Ibosim, tu viens de perdre Arce. Bah voilà, t'es con. Mais je te jure, non mais n'importe quoi. Colonia civile, là il va avoir de la perte, là c'est vagabond phénicien là. Un peu. Voilà, on prend de rencontre. Ah voilà, voilà. Et t'es bête, voilà. J'ai rien d'autre à dire, tu es bête. C'est vrai que j'ai une vengeance à prendre. Je vais prendre Nova Carthago et j'ai une vengeance à prendre sur les Libyens aussi. Voilà.
Après, ce sera peut-être pas l'ordre, parce qu'à chaque fois, ça... Il y a quelques imprévus, quoi. Ok, lui, il est rapide, hein. Et encore, il est lent par rapport à ce qu'il va devenir. Oh la vache. Vous allez voir. Il va en parcourir du monde. T'as un étour combien? Crois que je peux le voir si je fais charger. On est tour 68. Oh, les nombres de constructions. Oh, ça fait du bien. On a un petit bonus d'agriculture. Ici, on verra plus tard. Ah oui, bah oui. Jupiter. Par Jupiter. Et par Junon. Et là, je peux le dire. Je suis la dynastie des Junia. Et Romain. Donc Jupiter, Junon, parfait. Voyons voir. Préfet, c'est bien ou terrifiant? Démoralisé, 3% de perte de morale. J'aime bien, moi, démoralisé. Hop là, ça, j'en ai plus besoin. C'était un cheval. Non. Une unité de chien et deux unités. Oui. Allez, ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tadam, tadam, tadam. Toi, tu vas aller là-bas. Bah, c'est long. Déconne pas. Va, yole, et après, voilà. Faut lui dire. Ah oui, des compétences au niveau de la recherche, je voulais. Pas grand chose, hein. En expérience pour les recrues, unité lourde, sauvegarde du corps, noble. Ah, ça peut être intéressant. Je vais faire fourbe, noble. Faut que j'y pense, fourbe, noble et augmenter l'érudit. Fourbe, c'est pas ouf, mais ça m'ouvre pas mal de voies. On ravitaille à Caralis. Connexion Lilibum. Et la route de Syracuse. Enfin, la route, la mer pour Syracuse. Parfait. Lui, il arrive vers où? Narbo. Eh, pas Narbo. Vrai que dans ce mode de jeu. Oui. Dans ce mode de jeu, il n'y a pas Narbo. Donc le matin, je ne sais pas parler français, je me tente à l'anglais, c'est encore pire, et je zozote. Eh ben c'est parfait tout ça. Tour de siège, ok, chronique familiale, plus un zèle, très bien. Donc toi on t'avait dit tu viens là, toi tu... non c'est bon, ce sont les Arvaques. Mais toi t'es chiant. C'est embêtant, voilà. J'ai pas d'autres mots, t'es embêtant. Oh là là, ouais. Je sais pas s'ils ont encore beaucoup de troupes là. Ouais, non, ils en ont perdu 2. Ils étaient 19, ils en ont perdu 2 là, c'est bien. Ça, c'est bien. On va partir là-dessus. Ici, hop, on va recruter. Ça coûte cher l'entretien, 135 par navire. Hein. C'est pas donné. Hein. Il me fallait une espionne. Mais je crois que j'avais pas trouvé chaussure à mon pied. Vous savez quoi? On va forcer le destin. Chaque tour, en faisant ça, chaque tour, je vais avoir une proposition différente. Alors que là, chaque tour, j'ai pas vraiment une proposition différente.
Ça coûte un peu d'or, mais c'est pas très très grave. Ouais, est-ce que je lèverais vraiment pas une nouvelle armée, quoi? Ouais, maintenant j'ai plus de. J'ai personne de mon parti qui est disponible. Et salut à toi! Oh, tu peux enquiquiner un peu les arvernes. Ah bah ils subissent un siège, hein? Ah oui, c'est ça, ils subissent un siège. Ah bah! Fille de tribun. Un des nobles a une fille qui s'est montrée efficace en tant que médiatrice entre les patriciens et la plèbe. Vous pourriez l'employer en com. Bon. Vous pourriez l'employer en com pour résoudre de telles affaires. C'est rare les fautes de trad sur celui-là en plus. Cependant, plusieurs membres du Sénat lui ont ouvert, sont ouvertement opposés et aimeraient que cette femme ne se mêle pas de la politique qu'elle est vous faire. Eh ben, j'en ai rien à foutre des sénateurs. Voilà, hein. Oh là, la politique, c'est moi. Oh, taux de recherche. Taux de recherche. Et tiens, bah de la ruse. Et on va l'adopter. Gratia. Ça tombe bien. Marie-toi, j'avais besoin d'un général. Voilà. Une autorité en menant une armée en tant que général. Ça, c'est pas mal. Hein. Puissance d'autorité. On va faire de l'autorité. Hein. Et du moral. Toi, tu as gagné le droit d'être promu direct. C'est quand même pas mal. Voyons. Allez, assassinat. Non, non, on va faire autre chose. On va faire un petit raid. 50% de chance. Dans tous les cas, ça lui fera de l'expérience. Bon, il a pas réussi. Hein. Voilà, il a combien d'expérience? 4. Waouh. Ouais, non mais voilà, après. Voyons voir. On va recruter une armée avec Julius Brutus Florius. Hop, alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer lui Aréminium. Ah, des principes ou des sauts qui quittaient, extraordinaire. Ils ont moins d'attaque, mais ils ont un peu plus d'armure, un peu plus de santé. On va faire ça, allez. Quelques unités de vélitesse. Non ou pas, allez. Voilà, on va faire une. On va faire une unité vraiment très corps à corps. Voilà, mêlée, mêlée, mêlée. Tout ça, c'est du mêlée, hein. Il me semble. Oui, en combat rapproché, c'est ça. Hop, là, un tour. Là, ah oui, c'est la livraison express, j'ai oublié. J'ai oublié ça aussi. Où est-ce qu'ils ont... Y'a plus? Ah bah Carthage, ah bah voilà, plus Carthage, ouais. Très bien, parfaitement. J'allais dire parfaitement très bien, mais très bien. Je vais me rapprocher là-bas. Ah oui, ouais. C'est pas très grave. Je vais me rapprocher pour me faire délivrer ma nouvelle cavalerie. Enfin, livrer plutôt ma nouvelle cavalerie. Il va se faire prendre Tarako lui. Ouais. Je vais embêter aussi un peu les Arvak. Je sais pas s'il a perdu ses troupes à côté d'Ibosim. Et puis on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je viens de voir le temps.
On en aura fini avec Carthage, hein, bien joué à nous. Et... Ah bah oui, c'est clair que t'aurais pas pu le faire avant, ça c'est pas grave. Bah, je vous propose de me retrouver jeudi prochain pour le prochain épisode. Jeudi prochain pour le prochain. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Thiob. Ciao.